On se remet petit à petit. Si est-il en ces termes que Shana Kress et Jonathan Matija sont sortis du silence peu de temps après l'annonce de leur cambriolage. En story Instagram, le jeudi 5 janvier 2023, les jeunes parents ont donné des nouvelles de leur horrible découverte. Je ne vous cache pas que j'ai trop envie de prendre la parole sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, on est beaucoup à vivre ce genre de situation, si est-il ce qui est le plus triste. Ce que je sais, si est-il qu'il faut avancer, surtout que Luca compte sur nous. A déclaré Alicia de son vrai nom. Puis, la jeune mère de famille a ajouté, ce que je sais, si est-il qu'il faut plus de courage pour se regarder dans un miroir le matin en faisant des choses comme ils ont fait que de vivre un cambriolage. Comme l'a ensuite confirmé la compagne de Jonathan Matija, la justice a été saisie dans l'affaire. Une enquête est en cours et on ne lâchera pas, ça si est-il sûr. Vraiment pas, même. A-t-elle déclaré haut et fort avant d'ajouter, vous avez volé du matériel mais surtout l'intimité des gens. La vie va bien s'occuper de vous, je n'ai aucun doute là-dessus. La vie continue et on garde le sourire. Shana Kress et Jonathan Matija cambriolés, ils prennent une décision radicale d'après leur dire, les cambrioleurs sont partis avec leur voiture, une Range Rover, et des affaires personnelles. En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. Je vous poste la photo de mon Range Rover Evoque, intérieur beige et marron, sait-on jamais si vous le croisez, appelez la police de suite. La voiture a été volée dans le Var, 83, mais peut-être n'importe où. Avaient-ils annoncé. Mais ce n'est pas tout, bouleversés par leur cambriolage, les amoureux ont décidé de quitter la France. Surtout grâce à vous, on est sûr maintenant de vouloir vivre à l'étranger. On aime notre pays mais je ne pourrai plus jamais laisser ma femme et mon fils seuls à la maison sans m'inquiéter. On trinque à notre décision, on partira. On n'est pas encore certain d'où nous irons, et non, ce ne sera pas Dubaï, mais on veut élever notre fils sereinement dans un cadre simple et sain. Avaient-ils annoncé ?